bonjour Cédric Fox, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais demander un petit peu ce que j'allais vous faire comme vidéo, et là qu'est-ce que je vois, qu'on a un almanach plutôt sympathique, qui est l'éphéméride de Zeg. Et qui nous propose une économie d'ingrédients, donc quand on crafte des trucs à bon tas, on a 15% de chance d'économiser des ingrédients. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai récemment farmé des donjons de dimension qui sont le fossile, le 42 et le toxoliate, ce qui fait que j'ai des quantités de ressources assez incroyables en banque, et je me suis dit bah ça va être l'occasion d'aller crafter un petit peu des trucs et d'aller les briser. Donc on est parti, on va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai déjà tout préparé, normalement si je me suis pas loupé, c'est bien, on a pile poil de quoi crafter ce que je veux crafter. Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai dans la banque qui me reste en stock de mon farm. Vous voyez là rien qu'au niveau des viandes, ça c'est rien que celle que j'ai droppée sur le 42, j'en ai pour plus de 100 millions. Faut savoir que j'en ai déjà vendu à peu près autant, donc rien que les viandes m'ont fait à peu près 120 millions de bénéf. Bon après voilà, j'ai toutes les ressources, là c'est les viandes du toxoliate. Toutes les trucs, bon là il y en a majoritairement du 42, et c'est ce que j'ai farmé le plus en fait, c'est pour ça que j'en ai le plus de ressources là-dedans. Les viandes, ça c'est celle du fossile. Et après j'ai tous les petits trucs, ça c'est les conteneurs qu'on drop et tout, enfin j'en ai plein, les sommes sont impressionnantes mais il faut réussir à écouler tout ça, alors ça fait là ça fait des mois que je vends petit à petit, que je crafte des trucs, je les FM, je les mets en HDV, ou je vends des ressources en masse, enfin je fais un peu plein de trucs. Dans tous les cas ça m'a rapporté énormément d'argent et je pense que ça n'a pas fini. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour voir ce que j'ai dans mon inventaire et j'ai pris exactement de quoi crafter chacun des items que l'on peut faire à partir de ces ressources. Donc ça va nous faire 18 items, parce que dans chaque donjon, il y a deux panoplies qu'on peut crafter, deux panoplies de 3 items. Donc on va les crafter, on va regarder combien on va gagner sur l'almanach, et ensuite on va briser, et je vais vous montrer une petite astuce Kama lors de l'utilisation des runes. Donc là, il y en a pour 13,3 millions de valeurs estimées, faut savoir que j'ai acheté pour environ 5 millions en complément. Donc vous avez vu que ça m'a mis complètement à sec, je me retrouve avec 130 000 Kama. Ça c'est incroyable, j'ai une capacité à me faire des kamas à une vitesse folle, mais à les dépenser à une vitesse encore plus folle. Donc je suis toujours en rade, enfin bon, c'est un délire. C'est pas grave, allez on est parti pour crafter tout ça. Hop. Alors, atelier, bijoutier, pour commencer. Hop là. Bon, jusque là on devrait pas avoir trop de surprises, c'est surtout sur le brisage, j'espère que ça va bien se passer. Ah bah je peux m'en faire deux dés comme ça. Normalement j'ai prévu pour en faire une de chaque, donc je vais pas me foirer mes trucs. Hop, hop. Hop. Ensuite, atelier suivant. On va aller à cordonnier. Hop là. Non, bah, y a du monde qui craft des trucs, à mon avis tout le monde veut profiter un peu d'almanach. J'espère que vous avez prévu éventuellement des choses à crafter en masse. Parce que là ça peut être l'occasion de faire des jolis bénéfs. Allez, on est parti, on a plein de choses à faire. C'est un petit peu long, mais ça devrait le faire. 60, j'ai pas fait, faut que je fasse gaffe à pas crafter deux fois le même, sinon ça va être la merde. Hop. Ensuite ça. La ceinture de 60, la ceinture de 42. Hop, la ceinture du perforeur, ça j'ai pas fait, on est d'accord, hein. Ouais. J'aurais un peu les boules d'avoir mal géré mon truc, hop, la ceinture fossile, et il nous reste plus que tailleur, et on aura tout fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a encore pas mal de choses à faire ici. Hop là. Hop, tranquillement. Bon, jusque là, tout va bien. Donc on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a... combien on a gagné avec l'almanach au niveau du craft. Donc ça m'a permis d'économiser pour 2 millions de ressources. Bon, c'est juste pour le fun, hein, on va pas se mentir. À part juste la tourmaline et la trame dimensionnelle qui vont me servir. Mais après, économiser 13 ou 18 ou 7 d'une ressource que j'ai fois 10 000 en banque, concrètement, je m'en fous un peu. Mais bon, on est parti maintenant pour briser tout ça. Hop. Alors, au niveau des brisages, des coefs, on va voir. Je sais pas trop si je fais tout d'un coup ou si j'y vais petit à petit. Concrètement. On va commencer par briser tous les trucs que je vais briser sans focus. Hop.
Hop. Ça, est-ce qu'on fait un focus PO ou pas? Non. Ça non plus. On va juste faire des focus PAPM à mon avis, et le reste on va faire sans focus. Ça y va. Ça, on va focus. Ça, pareil. Ça, pareil. Ça, on va focus. Tout ça, on va focus après. On va faire les focus PA sur les amus et des focus PM sur les bots. Voilà, donc là on a déjà 11 objets. Bon, moi je crois qu'on est parti pour briser, hein. On va pas tergiverser. PA, PA, PM, PM, PM. Allez hop, on est parti, on récupère. Ah, alors bien sûr, j'ai pas mis la map Panopod. Là on a 9 millions déjà, alors qu'est-ce qu'on a eu comme beau coef? On peut pas les classer par coefficient, d'accord, dommage. Alors la ceinture de 60 qui nous a fait un beau coefficient. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dans l'ensemble, c'est correct, hein, je trouve. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'items qui ont été brisés aujourd'hui et ça a fait remonter les coefficients sur ce genre d'items. Peut-être. Bon, je pense qu'on est bien parti pour être rentable en tout cas, parce qu'on était à 13 millions à la base. Et là, on est déjà à 11 millions si on compte l'économie de ressources, plus le brisage, et on a encore tous les items à IPA et PM à faire. On est parti, je vais mettre ma panopode. Hop, la voici. Ah, même avec la panopode, j'ai pas de quoi tout porter. Ah, ça me fait bien chier, ça. Ça me fait bien chier. Comment je vais faire? Bon, moi, je vais devoir aller les remettre en banque, mais du coup, on pourra pas voir... On pourra pas voir les beaux coefs. Ah, je suis embêté. Tant pis. On va donc commencer directement à fusionner les runes. Ah ouais, d'accord, je peux même pas. Oh, je dois aller remettre des trucs en banque. Oh, la déception ultime. Je suis con, j'aurais dû terminer par celle-là, en fait. Bon, tant pis. Et du coup, ça va se mélanger avec mes autres runes, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Est-ce qu'on a moyen de faire, par exemple, trier par poids du lot et d'enlever juste les plus volumineuses? Ok, donc on a rune vie, rune ça. Ok, en gros, bah, toutes les trucs à plus de 1000, je saurais que je les ai vus comme ça. Et ça, je dois pas en avoir, donc. On va essayer de pas fausser les valeurs de ce que je récupère, parce que ce serait dommage. Hop. Allez, on est parti pour la suite. Au passage, vous noterez que ma panopode, je suis quand même à presque 31 000 pods. Je pense qu'on peut encore maximiser ça avec un peu d'FM sur les G. J'ai pas fait ça parfaitement optimisé, mais bon, c'est toujours sympathique. Avec tous les métiers de sang et un yop full terre, on a vite fait de grimper très haut dans les pods, quoi. Alors, et du coup, bien sûr, mes items sont plus triés, décidément. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va faire les pupes PA. Hop, allez, focus PA. On est parti, on récupère 1,2 million. Ok, ça c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout, j'aurais eu plus de sous en revendant les items directement. C'est pas grave. Donc là, pourri. Et on va terminer par les puits PM. Hop. Focus PM, on est parti pour briser ça. Et là, on récupère 4,5 millions. Oh, on a un beau coef sur la panneau 42, elle m'a fait des beaux trucs, hein, j'ai l'impression. Enfin, tout, hein, globalement, c'est correct. Donc là, encore 4,5 millions. Si je calcule bien, on avait quoi? On avait à peu près 11 millions tout à l'heure, plus 1, plus 4, plus tous les petites broutilles qui font 11, 5. On est sur du 17 millions de récupérés. Pour 13 millions de craftés, enfin de ressources à la base. Sachant qu'il y en a beaucoup que j'avais en masse en banque, donc que c'est une manière pratique pour moi d'écouler. Donc on est plutôt bien. Et c'est là que vous allez voir que c'est pas fini. Ouais, il me fait chier, lui. Parce que, chose qui est peut-être un petit peu méconnue, mais que j'ai découvert un peu par hasard un jour, et ben quand on fait des runes, quand on fusionne des runes, le bonus d'Almanax s'applique aussi. Tout simplement. Donc, par exemple, sur les runes Papuy, là j'ai 14,6 millions de valeurs estimées. Si je fais fusionner les puits en Papuy, hop, et bah à chaque fois, ça va me monter un petit peu la valeur estimée parce que je vais récupérer. Là, j'ai récupéré 82 runes puits grâce à l'almanax. Donc, ça, c'est une astuce Kama qui peut être pas mal à faire. C'est quand il y a un almanax d'économie d'ingrédients, vous achetez plein de mini-runes en masse et vous les fusionnez en pas puis en rat. Et à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez générer des runes supplémentaires. Là, par exemple, on va le faire un peu avec toutes. Donc, là, si je le fais, c'est à la fois pour le bénéf et à la fois pour me libérer un peu des pods.
Et donc du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on pense qu'on a crafté là toutes les papuies et on peut à nouveau en refaire avec les runes puits que je vais économiser grâce à l'almanach. Et en fait, on peut faire ça jusqu'à ce que ça s'épuise. Voilà, là, les papuies, c'est terminé. Donc il y en a pour un petit moment en général. Les par écrit, on va fusionner. Hop. Par époux. Allez, on va en faire, ça me servira toujours. Pour faire des syntacés, c'est pas mal ça. Bon, les pas d'eau, par contre, ça, clairement, c'est pourri, je m'en sers pas trop. Ça, pareil. Hop. Est-ce que je me fais des pas de terre? Allez, on va en faire 50 pour le fun. De chaque élément. Plus pour se libérer des potes qu'autre chose, hein, je me répète. Pas de feu. Hop. Pas de haut. Et il nous restera R ensuite. Est-ce que j'ai des dockeries? Oui, alors ça par contre je vais en faire à bloc. Hop. Parce que ça me sert énormément pour beaucoup d'items. Hop là, donc voilà. On a récupéré pas mal de pods, bah alors, sinon on va faire en plusieurs fois, on n'a pas trop le choix. Pas prospe encore. Hop. Hop là. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être intéressant? Je me garde des runes Painy, bon je vais, allez, je vais en refaire un peu quand même, mais. Les Painy, enfin les Inis simples, je veux dire, elles sont très pratiques pour FM, pour la gestion du puits. Souvent ça permet de récupérer un puits, d'ajuster son puits quand on a des petits over indésirables. Donc j'essaie de les garder au maximum. Allez, on est parti pour récupérer du coup les runes qu'on a mises tout à l'heure. Ah, même avec mes 31 000 potes, j'ai pas de quoi porter tous mes trucs, quoi. Ça c'est insupportable. Ah mais, oh je suis con, j'ai gardé des... Ok, j'ai gardé des viandes en masse. Oh là là, quel con. Bon, c'est pas grave, décidément. Cette vidéo elle est un petit peu improvisée, hein. Je suis désolé si l'organisation n'est pas incroyable. On va y aller sur les runes. Alors du coup j'ai dit vie, inné, âge, ça, et il doit rester les runes chance et force et âge. Ah oui, ça c'était pas âge, d'accord. Donc celles-là, elles n'ont rien à foutre là. On prend ça et celle-là, on vient pas de les crafter. Donc voilà, c'est juste pour vraiment séparer les items, les runes que je viens de récupérer de mes autres runes. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on vient de générer grâce au craft. Hein. Donc on est parti, on va à nouveau fusionner tout ça. Donc là, ça va être vraiment intéressant, je pense, fusionner les runes en masse. Oh, j'aurais même pas les kémas pour mettre ça en HDV, je pourrais même pas payer les taxes. C'est ridicule. Mais bon, c'est pas grave, c'est marrant. Et puis de toute façon, les kémas, ça va vite rentrer. Alors, allez, on est parti, pavi. Hop, et on récupère de quoi en faire à nouveau 260. Là, vous voyez que c'est vraiment l'almanach, c'est très intéressant. Il faut l'exploiter à fond. Et je vais même en faire des rats après. Allez, hop, la vie, c'est fait. Ensuite, painé. Hop. Du coup, c'est chiant. On tourne un peu en rond parce que bah, à chaque fois qu'on craft, on en régénère à nouveau. Voilà, ça c'est fait. Allez, allez! Bon, ce qui est bien, c'est que je me libère des potes petit à petit. J'ai été très con hein, de ne pas poser mes viandes avant, là, c'est moi qui n'ai pas été vigilant. Parce que j'ai des dizaines de milliers de viandes. Ah, mais d'ailleurs, pendant que j'en parle, je vais aller me craft des viandes en masse. Ah, ça peut être pas mal, ça va me faire encore pas mal d'économies. Ouais, parce que j'ai plein de viande comestible en banque, enfin de viande pas comestible justement, et que je peux crafter en viande comestible. Cela dit, si je fais ça, je risque peut-être de perdre des sous, parce qu'au final, les viandes, elles se vendent le mieux en pas comestible, parce que la majorité des gens qui achètent les viandes, en fait, c'est pour monter leur métier de chasseur, donc ils ont tout intérêt à pouvoir faire les crafts avec. Bon, j'étudierai la question après, éventuellement, je vous en parlerai dans les commentaires, mais je vais pas le faire en vidéo. Est-ce qu'on fait des ravis? Bah oui, hein. Allez, on va faire... Mettons 300 ravis. Allez, bon, on va faire tout au max, mais je vais garder un petit peu ce qui est généré en plus. Rainé, Rafo, Racha. Il doit rester Raage, voilà. Et ensuite, il reste plus que la sagesse à faire. Allez, on est parti à fond ici, hein. Hop, sauf que la sagesse, je vais les laisser en passa parce que les rassas, concrètement, on s'en sert une fois tous les 3 ans. Rapassa, il n'y a plus de passa.
Ok, bon bah je pense que là on est bien, parce après c'est toutes des runes que je préfère ne pas fusionner parce que je préfère m'en servir sous la forme simple que sous la forme triple, on va dire. Bon, on va rester là. Très bien. Donc on partait de 13,3 millions en valeur estimée et on récupère 19,1. Donc ouais, le combo petit brisage, craft brisage plus almanax, vraiment intéressant. Maintenant, je vais m'amuser soit à utiliser ces runes dans mes FM, soit à les revendre. Il y en a qui se vendent vraiment bien là-dedans, et je suis content, c'est des runes. Ça va me refaire un petit peu mon stock de runes, et puis ça me servira pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de vous faire ça. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner. Vous pouvez un petit peu donner votre avis dans les commentaires, éventuellement ce qui peut être intéressant à farmer. Enfin, farmer, j'arrête pas de dire farmer maintenant. Mais disons les manières les plus intéressantes d'exploiter cet almanax. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. À plus!